Yo bande de geeks, c'est Takafit, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va nickel hein, comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte sur Metro Last Light. Je sais que ça fait longtemps qu'il est sorti, mais comme il est en promo sur Steam comme d'habitude, j'en ai profité. C'est un bouton ça ou pas du tout? Non, c'est pas du tout, c'est pas un bouton. Donc voilà, c'est une petite vidéo découverte d'un jeu quand même assez joli. Là je vais tenter de le faire tourner en ultra hein, tout en filmant, donc comme vous savez, ça bouffe des ressources, donc on verra bien. Donc je baisserai un peu la qualité pendant la vidéo, on verra bien. Enfin bref, petite précision, en ce moment vous avez pas mal de vidéos, donc j'espère que déjà ça vous fait plaisir, parce que je sais que pendant un moment j'étais pas très actif, pardon. C'est parce que, comme vous savez, il y avait les soldes de Steam et que en ce moment je joue pas mal, mais vraiment pas mal. Bientôt je vous ferai un... bientôt, donc d'ici quand la vidéo sortira, sera dans 2 semaines à peu près. Je serai absent 2 semaines, donc pendant 2 semaines il n'y aura pas de vidéo, mais j'expliquerai tout dans un vlog où je parlerai aussi un peu de YouTube. Mais d'ailleurs le vlog que je vais peut-être renommer, on verra, je verrai bien. Enfin bref, je vous ferai aussi un autre vlog quand vous expliquer quand je pars, quand je reviens, etc. etc. Donc voilà, fini de parler de ça. Une petite parenthèse que je voulais aborder. Donc voilà, on va faire créer une partie. Il faut savoir aussi que avant Metro Last Light, il y avait un Metro 2033 que j'ai eu gratuitement, je ne sais plus comment. Enfin bref, que j'ai eu gratuitement, que j'avais fait, pas complètement, parce qu'au bout d'un moment j'étais bloqué, ça m'avait énervé, pardon, que depuis j'avais pas rejoué, mais j'avais bien aimé, donc comme si je vais prendre le Metro Last Light, depuis le temps que je voulais quand même le tester, et on va voir ce que ça donne. Hop, difficulté, attendez, il y avait quoi avant? Bon, en Rangers, en mode mode original, hein, et en mode en normal. Régler les... ah ok, l'image de gauche je suis plus à peine visible. Ok, l'image la plus à gauche soit à peine visible. Ah, à peine visible. Alors moi je la vois à peine là. Je vais mettre un petit peu plus clair pour vous. Ça aurait été bien comme ça. Tac. Les sombres sont venues bien plus tard. Depuis les jardins. Les sombres. Immenses. Dépassant d'une tête l'homme le plus grand. Des créatures de cauchemar. Aussi laides que des hommes éventrés. Des monstres nés pour nous détruire. On disait qu'ils étaient si forts et si redoutables qu'ils pouvaient déchiqueter des hommes à main nue. Joseph. Tout était faux. La vérité est plus terrible encore. Ok, donc je me suis mute pendant la cinématique, ça m'évite de faire du montage trop compliqué. Moi hop, j'étais mute et puis voilà, enfin bref. Et puis ça en touche pour continuer. Ok. Bah, j'habitais le coin avant. Enfin, avant la guerre. Là-haut. J'étais dans le train quand c'est arrivé. J'ai tenté d'appeler ma famille, mais j'ai pas pu les joindre. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Merde! Qu'est-ce qui se passe? Merde! Merde! Qu'est-ce qui se passe? Oh là, il y a des méchants. Wouah! Calmez-vous. What? Qu'est-ce qui se passe? Oh, le son du jeu est super fort, je m'entends même plus parler. Artyom, debout!
c'est moi, Cal. Des cauchemars, hein? Pas étonnant avec tout ce que t'as vécu. Écoute, j'ai des nouvelles incroyables. Il y a quelques jours, j'étais près des ruines du Repère des Sombres, et j'en ai vu un encore en vie. Je me suis mis à ta recherche parce que c'est toi qu'ils ont tenté de contacter, avant que tu lances les missiles contre eux. Cal, bordel, comment t'es rentré? Tire-toi, vite! Oui, Ullman, une seconde. Si un sombre a survécu, tu dois absolument lui parler, Artyom. Maintenant que t'es dans l'ordre, tu obéis à Melnik. Mais on doit le persuader d'autoriser cette mission. Khan, je t'ai dit de dégager. C'est une base secrète ici. Tu devrais même pas être là. Je t'amène au colonel Melnik. Suis-moi, Artyom. Prépare-toi, Artyom. Je t'attends à la sortie. On se dépêche, pipelette. J'avoue que c'est une pipelette. Pendant la dernière année de sa vie, il a dû bouffer, boire, respirer via un trou dans la gorge. Quoi, je vois que je fais tourner le jeu à pas beaucoup d'FPS là. Donc, on va peut-être devoir baisser la qualité. Ouais, on va baisser la qualité parce que là je suis à 15 FPS. Donc, je suis désolé, on va baisser la qualité. Je me suis démis, oui. On va baisser la qualité. Vidéo en se mettant haut seulement. Hop. Déjà, je devrais faire tourner le jeu un petit peu, avec un petit peu plus d'FPS. Non, je suis toujours à 15 FPS. Donc, je sais pas si c'est le. Pourtant, c'est fluide quand même. Alors, je ne sais pas. C'est quand même bizarre ce que je fais tourner le jeu. Que je fasse tourner le jeu à 15 FPS, putain, je vais rester. Je suis désolé, hein. J'ai travaillé ce matin et je suis un petit peu fatigué. Ouais, on peut rien faire d'autre. Pourtant, c'est fluide. Bon, ça reste joli quand même. Hein. Ça fait un bout de temps qu'on a trouvé cet endroit. Viens, à... appuie sur. Ah, oui, c'est vrai. Clic gauche pour tirer le briquet. Clic droit pour consulter le journal. Donc pour voir la montre aussi qui indique la vraie heure. Donc moi je sais qu'elle est chez moi là, c'est mon ordinateur, il est 19h13. Donc ça indique la vraie heure de l'ordre. Chiffre Cannes. On va suivre. On peut pas le virer ça. Salut Artyom. Artyom faisait partie des gars qui ont trouvé le D6. Ils ont fini l'incident. Ah par contre, je suis désolé aussi, encore une petite pause, mais le son me pète littéralement les oreilles, je m'entendais même plus. On met à 3 bars. Hop, comme ça, c'est nickel. Oh, on voit les mouches. Classe. Donc, si je retourne, est-ce qu'on voit. Regardez les mouches sur l'écran. C'est super bien fait. Donc on va suivre, on doit suivre l'autre qui est je ne sais pas où. Ah oui, la fameuse armurerie. L'arsenal, oui, c'est pas pareil. Il y a moi des armes. Oui, on sait. On le sait. Ah bah oui, du coup, quand on est... je vais vous expliquer ça après. D'accord, donc en fait ça on voit tout ce qu'on a, d'accord. Cool. Allez, passons aux choses sérieuses. On va te trouver des flingues. Prends ce que tu veux et scellez sur mon champ de tir. Les rangers portent en général 3 armes. À toi de voir celle dont tu veux.
Akos, c'est une sorte de RPD. C'est le fait. Moi, je veux une Akos. Avec elle. On peut la personnaliser, c'est-à-dire. Ah, on peut mettre un silence. D'accord, on peut mettre des trucs dessus. Genre, je peux mettre un viseur. Au calme. Cool. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc il faut savoir que quand on est à l'extérieur, donc là on est dans le métro, donc. Et quand on est à l'extérieur du métro, il faut porter un masque avec des filtres qu'il y a sur les masques. Et on a un compteur sur notre montre qui nous dit quand il faut changer le filtre. Donc c'est ça qui, que j'ai eu beaucoup de mal, moi, dans le premier métro. C'est trouver des filtres. Il faut vraiment les remplacer dès qu'on peut, quoi. Donc c'est assez... faut faire attention à ça, on va dire. Ok. Par où qu'on... Ah, par là. Les mains de dessus. Ouais, 1, 2, 3. C'est bien connu sur... Ah, je fais pas le tourner jeu, le tourner jeu quand même a pas beaucoup d'FPS, donc c'est ce qui me fait peur. Alors, je vais tester un truc encore. Désolé pour les pauses que je fais, mais je sens que j'ai pas réglé ça avant. Donc au pire, on va mettre en normal. Parce que je suis en train de rec, hein. C'est pour ça que sinon je ferais tourner le jeu quand même normalement en ultra. Ah, je retente. Ouais, je fais tourner le jeu, pas de coup d'FPS. Ouais, je le ressens quand même, hein. C'est moins fluide là. Ouais, c'est quand même moins fluide. Je peux pas voir mon objectif. Yep. Donc, tu me le donnes? C'est moi? Non, je m'en bats les couilles. Je vais partir. Non, tu veux pas que je parte? Ok, on va en prendre une troisième arme alors pour lui faire plaisir. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme arme? Pistolet? Ah, un fusil à pompe. On va tenter le fusil à pompe, puis pour voir. Ouais, t'as l'air de faire mal quand même le fusil à pompe. Ah, faut que je me barre peut-être par là. Yep, yeah. Bon, on va se casser. On va avancer. Là où ils font de la soudure, ok, calme. Comme dit, c'est, je sais pas, c'est bizarre que je fasse tourner le jeu à pas beaucoup d'FPS comme ça. Après, c'est peut-être mon compteur d'FPS sur le logiciel qui déconne. Ah, je peux pas passer, d'accord, faut que je reste derrière. Est-ce que je peux courir moi dans ce jeu? Pas pour l'instant donc. Les tombes des anciens rois étaient remplies de tout nécessaire pour vivre dans l'au-delà. Des armes, de l'or, des chevaux. Ils sacrifiaient leurs épouses et leurs esclaves pour qu'ils les servent dans la mort. Ça me rappelle ce bunker. Arrête tes conneries. Dans des six, ça ressemble à ce qu'un guerrier prenait avec lui pour vivre dans l'au-delà. Des étalons sauvages et des trésors incroyables. Alors, à mon avis, je pense que je peux remonter en haut. Et c'était ça aussi. Si j'enlève ça et que je mets en très haut. Ah, c'est le petit test, hein. On fait ça. On teste, hein, les potes, on teste. Bien sûr,
Ouais, je fais tourner les jeux à plus d'FPS. Ah, on fait des tests en live. Hein. On a même pas peur, les potes. Il faut pas de flou mouvement aussi, parce que c'est la merde. On va faire cops. Non, 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 j'ai fait échoppe. J'ai dit que je voulais pas. Oh, mais c'est comme ça. Yep. Voilà. Bon, on fait des tests en live. Hein. Ah, ouais, je suis monté à 30 FPS déjà, c'est déjà pas mal. Ça monte. Ça dépend où je regarde en fait. Là, je suis à 20. Ouais, 20. 20 FPS. Bon. Ça monte à 25, 26. Ouais, c'est pareil. C'est joli quand même. Après c'est un vieux quand même, un jeu qui vraiment qui commence à dater un petit peu, donc pas non plus s'attendre à des graphismes de ouf. Ok. Faut rester appuyé là, ça fait un peu long comme bouton quand même, la virgule. Bon, enfin bref. J'ai du mal à régler ma sensi. Hein. On va encore faire des réglages. Voilà. Mais c'est... Non, peut-être pas autant. À deux comme ça, c'est peut-être pas mal. Ah, c'est un peu mieux là comme ça. Oui, chef. T'es en train de faire caca? Pardon. Je suis... Regarde dans la position où il est quoi. Personne ne... ne fait ça. Alors c'est bizarre quand même que je tente pas beaucoup d'FPS. Enfin bref, c'est... J'ai modifié un petit truc aussi dans mes réglages de... Mes réglages de comment? De... Pour filmer. Désolé, petite coupure, j'ai essayé un truc, mais... Le meilleur de l'ordre est sûrement mort aussi. Et il t'a appris ceci. Si on ne se bat pas pour nos vies dans ce nouveau monde, on sera dévoré. D'accord. C'est la loi d'évolution. Mais à mon avis, les vieilles lois ne s'appliquent plus. Donc, je l'ai pas du tout écouté, hein, pour être honnête. J'ai modifié un truc dans mes paramètres de... Pourquoi de mon logiciel de capture, enfin c'était ça. Bon, ça a pas l'air d'être ça, donc je sais pas, c'est quand même bizarre. Artyom, et toi Khan, vous avez quelque chose à signaler? Oui, colonel. Essayons de faire bref. J'ai localisé un sombre en vie dans les jardins. Quoi? Un de ces trucs vit encore? Par chance, oui. Par chance? Khan, c'est de la folie pure. Les sombres représentaient la plus grosse menace pour l'ordre. Colonel, laissez-moi une chance. Un sombre seul est inoffensif. Artyom a un don. Je crois qu'il a établi un contact avec cette créature. Laissez-le venir avec moi. D'accord. Artyom, va au jardin avec Khan et localisez le sombre. J'enverrai un sniper avec vous. Un de mes meilleurs. Anna? Oui, monsieur. À quoi servira un sniper? À éliminer la créature et finir le travail de l'ordre. Melnik, c'est pas... C'est un meurtre! Arrêtez-le! Pauvre idiot, vous refaites la même erreur! On en a terminé. Escortez Khan hors d'ici. Artyom, c'est ta dernière chance de te racheter. De dire adieu à tes cauchemars. Oublie Khan. On dirait qu'il a approché de trop près la créature et qu'il a perdu l'esprit. Écoute-moi, Artyom. Termine la mission et reviens vite ici. La guerre approche, et j'aurai besoin de tous les Rangers à leur poste. À plus tard. Alors, qu'est-ce que t'attends? Viens donc, mon lapin. C'est demandé... C'est dit si gentiment. Avec les sombres te repèrent, tu peux le faire sortir de sa cachette pour qu'Anna ait une bonne cible. Mais sois gentil. Ne laisse pas le sombre lire dans ton esprit, ou Anna aura deux cibles à tuer. C'est bien compris? On suspecte Lesnitsky d'avoir été un agent dormant. Donc, il faut savoir que les sombres, en gros, c'est les créatures qu'on évitait là. Au début. On s'en fout. C'est
les créateurs qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est les méchants, on va dire. Il faut savoir que dans le premier métro, dans le métro 2033, on avait éliminé tous les sombres à la fin du jeu. Enfin, je spoil un peu, mais donc il y a même plusieurs fins de jeu. Il y a deux fins de jeu dans métro 2033 et dans ce métro Last Light, c'est la même chose. Il y a deux fins différentes. Et en fait, bah, il s'avère que dans le début, comme là, il reste un sombre en vie. Et apparemment, ils vont aussi l'éliminer. Je sais pas si c'est plus clair ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Ne me dis pas que tu crois à ces conneries de paix avec les sombres. J'aurais bien aimé être dans la tour moi-même pour voir les missiles s'abattre et les cramer dans leur nid. Allez, mon lapin. Tu laisserais vraiment ces trucs entrer dans le métro pour qu'ils s'immiscent dans nos têtes et nous utilisent comme des pantins? On devrait s'accoupler avec eux pour que les gosses vivent à la surface et se nourrissent de radiation. Putain, on marchande pas avec le diable. Arrête de m'appeler mon lapin. Tu vas avoir des problèmes si tu continues à m'appeler mon lapin, toi. Ah, pas peur, hein. Donc on peut voir, on est quand même toujours dans le, on est toujours dans le métro. Arrête de m'appeler mon lapin, je te dis que tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. On a assez campé ici. On y va. Oui, c'est pas bien de camper. Donc le petit chat, j'ai mis. C'est quand même, c'est honnêtement, je suis normalement pas fan de vraiment de ces jeux-là. Je sais que dans 2033. C'était dès que j'ai commencé, je pouvais plus lâcher le jeu. C'est vraiment très addictif. Voilà, chercher le mot. C'est très addictif comme jeu. Enfin, je vais y arriver. Je suis vraiment fatigué. Donc, c'est vraiment, vraiment addictif. Avant, les trains étaient des trucs ordinaires. Maintenant, ce monorail a l'air magique, pas vrai? Nos gamins sauront pas les faire fonctionner. Et leurs enfants penseront que ça a été fait par les dieux. Parfait, on a atteint la station. Elle fait partie de la ligne métro 2 secrète. On n'a pas encore exploré ces tunnels. Et là, je fais tourner le jeu à 60 FPS. Alors partez pas à l'aventure. Donc en fait, c'était peut-être fait exprès dans le jeu. C'était peut-être vraiment fait exprès pour justement. Je sais pas. Que des fois, il faut peut-être baisser. FPS pour refroidir la carte graphique, ce qui est fort possible. Donc c'est pour ça que je tournais pas beaucoup d'FPS, ce qui me paraît vraiment, ce qui me paraissait bizarre. Comme pouvoir, je suis vraiment à 60 FPS. Donc si je suis là à 60 FPS, pardon, je suis désolé. Je entends des trucs dans cette vidéo en mode voilà quoi, moyen. Non, pas de full mouvement, je dis. C'est ça. Si je me sens en très haut, ça donne quoi? 47, 46 FPS. Ouais, donc je suis désolé, hein, beaucoup de coups de coupure. On va mettre ça en normal. Fuck it. Voilà, 55 FPS à peu près. C'est un bon signe, mon lapin. On aura peut-être du bol aussi pendant cette mission. Ah, ça, y a un truc qui fait quand même assez peur, hein. C'est... Le courant marche. J'ouvre la porte. Je couvre le passage. C'est du post-apocalyptique. Je vais y arriver. J'aime pas ce mot. Donc, me faites pas peur, hein, parce que moi, l'échec qui fait peur, voilà, c'est pas mon truc, on va dire. On y va. Bon, toi, t'as trop picolé ou... Bon, t'avances. Parfait. Y'a rien en haut, c'est un plafond. Un point d'entrée de collecteur droit devant. What? Quelle carte? Prends à droite, y'a un cul-de-sac à gauche. Quelque chose les a alertés. Fais gaffe. Merde. Ce truc est rapide. Même pas peur, moi je le bute, il est où le problème? Bah oui, j'ai des réflexes. Je suis pas un genre d'FS pour rien, moi. L'échelle. Faut encore marcher un peu. Ensuite, on va
ensuite, on verra si t'es un lapin ou un homme. Arrête de dire lapin, bordel. La surface. Mets ton masque. G. Donc, pour voir sur la montre. Non, on voit pas bien. Voilà. Il me reste 5 minutes. Pendant 5 minutes, je peux l'utiliser, le masque. Et toutes les 5 minutes, je dois changer de filtre. Donc. Ah oui, il faut pas être pressé quand il monte à l'échelle. Lui, Arrête de mater mon cul. Il y a aucune chance que tu l'aies, mon lapin. Ah, c'est ce que tu crois. J'aime bien ces dialogues. J'ai l'impression qu'on montait plus vite. Non. Non, j'ai rien dit. Donne-moi un coup de main. Un coup de main. Hop. C'est pour déplacer ça. Oh, comme femmelette. comme femmelette. Putain. Il met aussi des gouttes d'eau sur l'écran. Écoute, les gouttes d'eau, c'est ce qui est le mieux réussi, je crois. Allons à l'entrée principale. On a une bonne position de tir de là. Je peux couvrir beaucoup de terrain. Puis c'est en moche pour sprinter. T'es censé être immunisé contre leur influence, c'est ça? Moi, je suis une fille normale. Alors, je peux pas y aller. Ok. Avance et cherche la créature. Je crois que si les sombres t'apprécient tellement, celui-ci te sentira ou fera ce qu'il a à faire et il sortira ta planque. Et c'est vrai que pour te couvre. Ok. Pas de soucis. Appuie sur G pour essuyer le masque. Ah, on peut essuyer le masque. Super bien fait. Si jamais tu as un remords, t'en fais pas. Je le ferai. Bon, allez. Bonne chance. Essuyer le masque, c'est cool ça. Donc là, faut que j'alloue. D'accord, faut que j'aille par là donc. Est-ce qu'il y a de la physique dans ce jeu? Oui, il y a un petit peu de physique. Bon, physique, il n'y avait pas beaucoup d'FPS. Ah, j'ai 60 FPS. Bon, dès que je bouge, il y a moins d'FPS. Pardon, j'ai un petit OK. Je suis en position. Je te vois bien. Et c'est joli, hein. C'est vraiment très joli quand même comme jeu. Qu'est-ce qui peut brûler après tout ce temps? Bon, ça fait rien. Continue de l'approcher, je te couvre. J'ai repéré du mouvement. Prépare-toi. Sur la droite. Ce ne sont pas des sombres. Ce sont des hurleurs. Où c'est, t'as vu du hurleur? Je m'occupe d'eux. Ah, j'ai changé de filtre comme un con. Ah, comme un con, j'ai changé le filtre que je voulais pas. Ah bon, y'a plus personne. On dirait qu'on a bien nettoyé cet endroit. C'est mieux, tu vas bien. Et Artyom, t'as fait du bon boulot. T'es peut-être mieux qu'un lapin. Appuie sur hop, utiliser un. Ok, un medikit, mais pour l'instant ça va. Ah bordel. Ah fuck. Donc on va prendre par là, on va voir ce qu'il y a. Donc elle me couvre. Me couvre à moitié, on va dire. Je crois que je le vois. Elle m'a pas trop. À 2 heures. À 2 heures. Voilà. Faut le tuer ou quoi? Où est-ce qu'il est? Je crois pas que je l'ai eu. Apparemment faut le tuer.
Faut le suivre. Ouais, en même temps, s'il se dépêchera un petit peu. À droite. What? En même temps, j'ai pas le choix. Attention. Faut faire quoi là? Il se régénère tout seul. What? What? Donc en fait ça montrait comment il a survécu, je crois. Ici, il est encore chaud. Guten Morgen. D'accord. Donc en gros... C'est bizarre, j'ai l'impression qu'en fait des autres humains, on va dire, ont aussi à dompter le sombre. Parce que j'ai l'impression. Herr Führer, ces prisonniers ont été capturés au jardin botanique. On pense qu'ils cherchaient quelque chose. Ces deux-là sont des rouges. Ils refusent de parler. Le troisième ressemble à un ranger de l'ordre. On a attrapé un mutant près d'eux, un monstre de la taille d'un enfant. Il a aussi été livré au Reich. Je verrai ça plus tard. Et celui-là? Mutation suspectée. Non, non, je suis normal. Vous voyez deux bras, deux jambes, 10 doigts. Vous comprenez pas? Je suis un citoyen de Hansa. La ferme. Mais... Vous n'êtes pas à Hansa. Vous êtes soupçonné de la distribution de gènes endommagés et ceci est votre procès. Si votre crâne a une bonne proportion, vous pourrez partir. Sinon, vous êtes une abomination. C'est scientifique. C'est un scandale! Je vous ai dit de ne pas bouger. Alors, voyons, 318 mm par 302. Vérifions dans le tableau. Ah, félicitations. Vous êtes un mutant. Non. Dans le vide ordure. Une petite question. C'était quoi ta mission dans les jardins? Va te faire foutre, sale facho. Je vais compter jusqu'à 3. 1. Gloire à la ligne rouge! 2. Vive le camarade Moskvin! 3. Pitié! Je vais parler. Mais. Loin des autres, d'accord? Ils vont me tuer s'ils s'entendent. D'accord? Amenez celui-là à la deuxième unité. En général, le Reich ne se mêle pas des affaires de l'ordre. Mais voilà qu'on chope des rouges et un monstre. Tous dans le même panier. Ça me plaît pas. Alors parle ou je te mets une balle dans la tête. Tuez l'officier! Oui, toi! Tiens, prends le couteau. Garde-le. Alors, t'es de l'ordre de Sparte? Je suis de la ligne rouge. Nos supérieurs ne sont pas entrés en terme. Mais bon, on s'en fout, peu importe. Entre soldats, on s'entraide. Allez. Je vois. Très bien. Génial. Vous télécommander. Une chose est sûre. Notre seule chance de sortir de là vivant, c'est de s'entraider. Bon, alors... Oh, toi, t'as une arme, tranquille. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur le vide ordure? En fait, je me suis fait avoir, là. Un petit peu. Parce que lui, il a... Non mais moi il m'a donné le couteau quoi, je me fais un petit peu hein, sur le coup. Bon tu l'actives ton truc là?
fichons le camp d'ici. Et après, on pourra partir chacun de notre côté. D'accord. Viens. Tu vois les tuyaux ? Voici leur plan de secours. En cas d'émeute ou d'évasion, il leur suffit d'ouvrir la valve et la prison se transforme en chambre à gaz géante. D'accord. Vache. On peut dire que leurs prédécesseurs les inspirent. Ah ouais, carrément. Chut. On ira dès que le monde charge sera parti. J'avais même pas vu qu'il y avait des mecs. Va. Bordel, c'est pas vrai. J'avais entendu dire qu'il y avait un camp de concentration ici. Et le voir de mes propres yeux. Et donc, en gros, c'est des. C'est des nazis. Bien, hein, en gros. Côté. Bon, je mène et tu suis. En gros, ouais, c'est ça. En gros, il y a des. C'est bah, une chambre à gaz, quoi. C'est un truc de concentration, là. Évite la lumière et reste bien dans l'ombre. C'est ta meilleure amie. Ouais, c'est des nazis, quoi, au calme. Ok, c'est parfait. On dirait qu'on a réussi. Bon, voyons voir. Au calme, au calme. Alors, on est passé au calme. Une grille. Ouah, une grille. Putain, t'es trop fort, j'ai pas reconnu. Merde, pas de chance. Ça bouge pas d'un poil. Bon, on peut pas passer par ici, c'est certain. Bon, où est-ce qu'on va maintenant? Et si... Oh, aide-moi un peu, tu veux? Et moi, je fais comment, moi, pour monter? Monte par ici. Ouais. Tu fais pas trop de bruit, toi, quand tu... Écoute, dis-toi que t'es une petite souris. Descends et fais pas de gestes brusques. Allons-y doucement, d'accord? Tu peux que blesser les gens. Stop! On va sauver des vies innocentes en le fusillant. Non, on va pas le fusiller. Merci, monsieur le soldat. Merci. Le fusil a dit que le fusil, c'est trop cher pour les mutants. Il mérite juste... Ah, le moment où j'éternue, quoi. Ouais, t'as allumé le gaz. Ouais, j'ai perdu. Ah, je me suis fait remarquer, d'accord, j'avais pas compris ça. Je crois que c'était dans le scénario, moi, mais non. Je me suis fait remarquer, d'accord. D'accord. Ce serait bien difficile de finir la mission pour... J'arrête la mission, bah quoi. Que je finisse la mission pour arrêter. Écoute, dis-toi que t'es une petite souris. Descends et fais pas de gestes brusques. D'accord, allons-y, on va essayer. D'accord. Tu peux que blesser les gens. Stop. On va sauver des vies innocentes en le fusillant. Non, on va pas le fusiller. Merci, monsieur le soldat. Merci. Le fureur. Ouais, c'est hop, passe. Bouge. Bah, toi bouge, allez, toi bouge. Voilà, là je me suis pas fait remarquer. Le fureur est infaillible. Bien sûr, un bandit, ça se vide les intestins, mais après, faut bon, nettoyer. Tu prends celui de droite et moi celui de gauche. Je vais l'occuper et toi tu descends le tien. Verstehen, vas-y, mais pas de précipitation, pigé. C'est parti. Moi, j'ai... T'as entendu ? On dirait qu'un trou. Comment j'utilise le couteau ? Attendez. J'ai un souci. Comment on utilise le couteau ? Bon, ils m'ont rien dit, quoi. Feu. Secondaire, corps à corps, V. J'ai
J'ai été trop vite. En fait, il faut que j'acte. Ah ouais, d'accord. Ouais, okay. En gros, faut que j'attende que lui. Oh là, attendez, j'ai pas tout compris. Hein. Bon, tu prends celui de droite et moi celui de gauche. Je vais l'occuper et toi, tu descends le tien. Verstehen, vas-y, mais pas de précipitation, pigé. C'est parti. Ok, il m'avait pas dit l'attaque du corps à corps. Un truc est tombé. Un morceau de plâtre, peut-être. C'est beaucoup trop humide ici. Demande au prisonnier. Prisonnier 130, c'est toi qui as fait du bruit. Hey, c'était pas moi, je vous le jure. D'accord, continue. Prisonnier 78, t'as entendu? Les salauds, vous avez de la chance. J'aurais pu nous tuer. J'ai eu peur qu'il balance. Hey, vous m'entendez? Il y a un levier. Descendez-en le plus possible. On est fichu de toute façon. Vous allez juste réussir à tous nous faire tuer. Psst. Ouvrez les cellules, d'accord? Les commandes sont là-haut, dans la salle de garde. S'il vous plaît. Oui, on va essayer. Je vais juste essayer de me sauver la peau. Ah, de pas mourir. C'est bon, dévisse l'ampoule. De ce côté, tu pourras peut-être monter. On se retrouve en haut. Hey, Spartiate, bonne chance. Allez, on va essayer de tuer lui là. Toi, je t'assomme. Au calme. Hey mon gars, ouvrez les cellules. Il n'y a pas d'autre. Eh bah jeune homme. Oui bah on va essayer d'ouvrir les cellules. Me faites pas chier. Elle est où la cellule de garde? Hey, pourquoi vous vous arrêtez? Vous aviez bien commencé. Continuez. Attendez, je vais juste voir s'il n'y a pas une salle de garde pour eux là. Mais essayez d'être plus discret. Je voudrais pas être puni à cause de vous. Oh bah calmez-vous, bah c'est tout, allez vous faire foutre. Allez, on avance tranquillement. Je suis prêt à partager. Ça fait trop pour moi tout seul. Mais n'en parle pas à l'Oberscharfuhrer. Allez, on s'en fout ce que vous dites. Faire 200 balles. Qu'est-ce que vous faites par ici? Eh ben, notre garde est terminée. Alors vous n'avez plus rien à faire ici. Retournez au campement. Oui, et à l'Oberscharfuhrer. Au calme. On a un petit couteau, c'est... Putain... Ouais, c'est encore ça. Une nouvelle note, on sent pas les couilles de la note. Hey, on dirait qu'il y a... Il lance ses couteaux bizarrement quand même. Donc il y en a un où là? Il y en a un à là. Vous êtes doués, mais faites attention. S'il vous voit, on sera tous gazés. Super, t'as réussi. Ah, c'est génial. T'es un vrai héros. Non, il faut qu'ils ouvrent le sas de l'autre côté. Ce bouton sur le mur est un interphone. Vas-y. Ok. Non, pas de panique.
Je crois que j'ai pas ouvert au prisonnier, mais c'est pas grave. Ah, un petit flingue. Alors en gros maintenant j'ai un vieux flingue alors que j'avais des bonnes armes avant quoi. Ah merde, c'est là. D'accord, au calme. Donc c'est le one shot déjà. C'est bon à savoir. Ah, je l'ai pas vu lui. Il est mort. C'est mérité. Bon, on s'est fait repérer, mais. C'est parce que moi je suis le roi de la discrétion, hein, comme vous savez. Boum. Mais il faut combien de balles toi pour mourir? Ouais. Il est mort lui ou? Attendez, on va voir s'il y a des. On va voir s'il y a des trucs à ramasser. Au calme, les munitions. Donc, voilà, ça m'a... j'ai ramassé une arme. Ah, cette arme-là était déjà dans Métro 2033, donc c'est cool. Ah, toi, t'es mort en mode. Je suis posé. Je suis pas posé. Comment? Je les ai libérés quoi? Ah ouais, je les ai libérés au calme. Allez, let's go. On va continuer. Alors moi j'ai un chargeur plein là-dessus. Et là-dessus j'ai pas beaucoup de balles non plus donc. Donc voilà là, je crois qu'on a fini la mission. Attendez, on va vite faire ça. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Parce que je sais pas combien de temps ça fait vu que j'ai fait une petite coupure. Ça va faire pas loin de 40 minutes de vidéo. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas vous savez comment ça va le faire savoir pendant un petit like. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur Facebook et Twitter. Donc aussi mon Twitter et mon Facebook sont dans la description. Je suis très actif sur Twitter comme vous le savez. Je mets toujours des... Je dis toujours quand je vais tourner la vidéo, sur quel jeu, quand je fais des lives, etc, etc. Donc en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Takafut, prenez soin de vous. Peace!